là en train de mettre un poids dans mon cœur, une douleur, parce que en fait, Dieu, le Seigneur est en train de s'alarmer, de pleurer, parce que les gens n'arrivent pas en fait à saisir, Brazzaville n'arrive pas à saisir le temps de sa visitation. C'est une colère, une profonde colère en moi. Les cœurs sont fermés. Maïla, Maïlaka, répondez-vous. C'est un mot. Maïla, c'est aimé. Maï. Comme il est le sec. Maïlaka. Maïlaka, ma soeur. Maïlaka, ma soeur. Maïlaka, ma soeur. Kolo azana kanda mingi pona biso bandeko ya Brazzaville e motema neza na konyonga po ete mitema neza na kokangama e nalingi mpe crois que tout le monde comprend ngala isino tokolo banangana no nalingi mpe kobakisa boti ezali ya solo parce que komona makambo oyo toza komona oyo banda 2009 oyo bala liboso ya portola ya kakao lelo tokomi na combien d'année de 2009 à 2016 ekomi na mbula sango etala eto tozali et c'est toujours la même chose qui se répète ouais, donc c'est non nzambe alingi kozoka liboso franchement tango le frère Alain alobaki lobi na tongo poisa nanga ezalaki ke bisounio son peuple à Brazzaville, tout fin d'un genou, tout singa pardon, tous les laïpans en Zambie, tout supplé grâce à Nzambi. Et de foutu ma bimana la quitté. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, non, n'a pas qui peut mettre en couvre. Je te prête à mourir parce que tu m'as donné quelque chose. Tu m'as donné une mission, mais n'a pas accompli la moitié. Tu peux me frapper, mais je supplé la grâce de Dieu. J'ai dit, merci Seigneur, mais je ne veux plus répondre. La cour est sous son fan, n'a qu'à augmenter. Et moi, je connais beaucoup de choses. J'ai un message. Témoignage n'a rien. Elle est l'homme en ligne. Il faut édifier bateau. Connaissance n'a rien. Il faut édifier bateau. Pour ce temps, mais pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne le dis pas? C'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il faut que nous, le peuple de Brazzaville, saisissons cette opportunité. Ça, c'est notre dernière chance. Notre dernier avertissement. Nous avons mis à l'heure auquel nous avons mis. Je suis lassé de vous. Je suis lassé de vous. Non, non, Dieu le traîner. La mine va dans mon pays, vous en avez fait des efforts. Que m'écrit-il? Je suis le Dieu de miséricorde. Combien de fois n'ai-je pas parlé dans cette nation? Combien de fois n'ai-je pas parlé dans cette nation? Je suis le Dieu de miséricorde, mais je m'appelle le feu dévorant. Repentez-vous! Repentez-vous! Je suis lassé! Je suis lassé! Je suis lassé! Je suis lassé! Je suis Dieu! Je suis Dieu, je suis Dieu, le créateur du terre et de la terre, de la, du ciel. Oh, Rakayamashaka, oh, Rakayamashaka, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je suis le Dieu de miséricorde, je suis le Dieu de miséricorde, mais j'ai un temps, je m'entends, je m'entends, je m'entends. Repentez-vous, repentez-vous. Amen. Amen. Tu voulais dire quelque chose? On se laisse conduire par le Seigneur. Shalom, mes frères. Je suis ému. Je suis très ému parce que le même esprit qui parle nous a parlé à 13h. Mon mari est là. J'étais à la cuisine, j'étais en train de préparer la nourriture et le Seigneur me parlait clairement. Le Seigneur me dit, va, parle au peuple. Qu'il y ait une espèce de réconciliation, de vérité, que toute la population de Brazzaville se retrouve et se demande pardon du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Congolais ont de la haine dans les cœurs. Les Congolais ne s'aiment pas.
il y a des choses qui datent de longtemps et qui continuent à ronger les cœurs de Congolais. Que ce soit les chrétiens, que ce soit... Donc, les Congolais doivent se demander pardon. Ils doivent ouvrir le cœur. Je suis prêt à pardonner. Donc, je suis... Quand je parle, c'est que c'est un avertissement. Et nous, l'Église, nous avons cette mission d'être cette lumière qui brille dans les ténèbres. Quand le flambeau s'allume, allumons, portons-le vers ceux qui sont encore dans les ténèbres pour proclamer qu'il nous faut, il nous faut nous réconcilier, demander pardon, se repentir. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce message. Ce message, je vais partager avec mon épouse à la maison. C'est dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 41. Je vais être bref, c'est l'histoire de Jérusalem qui n'a pas connu le temps où Dieu l'a visité. Et je demande pardon à Dieu parce que quand nous sommes arrivés, je suis en train de me poser la question, est-ce que nous comprenons ce qui est en train de se passer? Le frère Alain, dans son message, c'est d'hier, pour ceux qui ont compris, vous le retrouvez aussi dans le livre de Luc, l'histoire de la veuve de Naïm. Il a eu quelque chose de symbolique, c'est... un cercueil qu'on amenait pour enterrer. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que c'était l'enterrement. Mais pendant que le cortège allait, il y a le Seigneur qui a intervenu. Et ce qui s'est passé, c'était la résurrection de l'enfant. C'est la même chose. C'est l'image symbolique qu'il avait toujours de la mort, ce cercueil que l'on portait à terre. Et donc l'Église ressemble à ce cercueil que l'on portait à terre. Et ce qui se passe, le temps de la visitation, c'est le temps de la délivrance. Pourquoi? Pour qu'on le serve librement. Et il y a quelque chose qui ressent, c'est que nonobstant ce qu'on a écouté l'autre jour, je sais que si nombreux sont en retard, c'est parce qu'ils sont toujours attachés aux hommes, aux assemblées. Pour beaucoup ici, il fallait d'abord aller dans l'assemblée, simplement par peur des hommes. Ah, si je ne suis pas à l'assemblée, que me dira-t-on pas? Donc, le matin, on va d'abord à l'assemblée, après avoir écouté ces histoires de dénomination, et l'on vient. Et ce que l'on vient chercher, c'est la guérison, les miracles. Le Seigneur nous a abondamment parlé. Et je pense que Dieu est miséricordieux. Il faut que nous comprenions que c'est le temps. Je bénis Dieu parce que, je crois que c'est avec le frère Cordel, la pensée qui m'était montée, quand le frère est arrivé le premier jour, le Seigneur m'avait mis à cœur de prendre un drapeau du pays et de demander pardon au Seigneur pour nous et nos autorités. Et symboliquement, j'avais remis ce drapeau pour dire « Je veux que ce pays soit dans les mains du Seigneur. » Et j'aimerais sincèrement, on ne le met pas demain, je veux que tous, humblement, que nous agenouillons, mais que nous pleurons avec nos cœurs, déchirons nos cœurs. La miséricorde de Dieu est là. Les serviteurs de Dieu ne sont pas venus. Les guérisons de corps, tout ça là, c'est bien. Non, d'abord la guérison de la nation, parce que le Seigneur revient bientôt et il y a un peuple nombreux. Dieu nous attend. Je dis souvent aux frères, Dieu est notre rémunérateur. Mais pour qu'il nous rémunère, il faut que nous travaillions pour lui. Parce qu'il n'est pas notre garçon de course.
Nous venons ici, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Ce que le Seigneur attend, c'est que tu travailles dans son champ, là où il t'attend, et tu auras ta récompense. Ce sont donc d'être les mendiants. J'étais bouleversé par ce qui se passe au Gabon. J'ai dit au frère Alain, le Congo, c'est possible. C'est possible, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Je vous le dis à dessein parce qu'il y a quelque temps, j'étais ici, j'étais en service en Chine. Je suis resté 10 mois. 10 mois, j'étais rappelé pour revenir à Boisage. Je dis, Seigneur, pourquoi je dois revenir à Boisage? Donc, ce qui est dit, c'est vrai. Et je demandais pardon à mon Seigneur. Frère, on ne va pas repartir ainsi dans nos maisons. Il faut qu'on prenne cet engagement. Mais avec des cœurs sincères. Ce que Dieu veut, c'est la volonté, la bonne volonté. La bonne volonté. On n'est pas venu pour voir Chora ni Alain. C'est un moment de réconciliation avec le Seigneur. Parce que si nous ratons cette opportunité, je ne sais pas ce qui va se passer. Amen. Amen. C'est ce cercueil que l'on voulait enterrer. Et le Seigneur est là pour poser sa main pour la résurrection. Et ça, c'est important. C'est important pour nous. Prenons conscience de ça. Est-ce qu'on peut tous se mettre à genoux humblement devant le Seigneur? Chacun là où il est. Ce qui est dans nos cœurs. Frère, ne dites pas que ce n'est pas nous. Prenons comme Daniel le poids. Regardez, tous les maux de ce pays, c'est à nous de les porter. De toute façon, trop de monde a jugé le monde. Le monde, ce n'est pas nous de le juger. C'est, frère, si les choses ne marchent pas dans ce pays, disons que c'est nous qui sommes responsables. C'est ce que Daniel a fait. Frère, ne maudissons pas les autorités, ne critiquons pas. Ce n'est pas notre affaire. Et je vous le dis, vous voyez le bouillonnement politique qu'il y a dans le pays. Vous le voyez, non? C'est malheureux quand on voit des troupes de gens en train de suivre des hommes au lieu de suivre Jésus. La solution, c'est Jésus. Et Jésus a une solution pour nous. Frère, vous connaissez tous les mots qu'il y a dans le pays. Prenons ça, c'est nous. Nous sommes responsables. Portons ça. C'est à nous de nous humilier, de nous répentir. La guérison du pays, ça ne sera jamais les hommes politiques. C'est nous, c'est l'Église. Et c'est pour ça que je demande humblement que tous, pour l'ethnicisme, pour les, tous les maux qu'il y a, c'est à nous de les porter devant le Seigneur. Et je vous dis que nous ne devons pas rater cette opportunité. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous associer à nos frères, Seigneur, du Congo, de Brazzaville. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pour toutes nos faiblesses, pour tous les raisonnements, pour l'acceptation du péché, pour la corruption, pour la sorcellerie, pour tout ce qu'il y a comme assassinat, pour le manque de respect pour les autorités, pour le manque de considération, Père, envers ta parole et envers toi, le manque de consécration, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es unique dans notre cœur. Nous voulons te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Jésus, merci pour ton amour. Père, regarde Brazzaville. Regarde le feu qui a été allumé il y a quelques années.
Regarde, Seigneur, les grâces et les dons que tu nous avais donnés. Seigneur, nous avons tout perdu. Nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné notre première charité, Seigneur. Nous n'avons pas pris nos responsabilités. Nous nous sommes pointés le doigt les uns les autres. Nous avons pris, Seigneur, connaissance seulement des versets, sans chercher ton esprit, Seigneur. Nous avons abandonné la force et le courage que tu nous as donné pour prêcher l'évangile, pour dire la vérité. Oh Dieu, nous nous sommes tous endormis. Nous sommes tous assoupis. Nous étions dans un sommeil total. Seigneur, nous avons même abandonné nos bibles, Seigneur. Nous avons abandonné le jeûne et la prière. Nous avons abandonné, Seigneur, Père, d'aller voir les orphelins, d'aller voir les veuves, d'aller voir les nécessiteux, d'aller voir les prisonniers. Nous avons abandonné nos foyers. Nous avons abandonné, Seigneur, la prédication de ta parole, la prédication de l'évangile. Nous nous sommes donnés au ministère, à la connaissance des versets, pour être des hommes vus et des femmes vues, Père. Nous avons voulu les titres au lieu de chercher celui qui donne les titres, Seigneur. Oh Père, pardon. Pardon, Seigneur. Nous t'en supplions. Ne frappe pas par hasard. Seigneur, ne frappe pas par hasard. Père, ne frappe pas par hasard comme tu as fait avec Sodome et Gomorre. Ne frappe pas cette nation. Tu as dit que s'il y a un seul juste, Seigneur, s'il y a un seul juste, s'il y a un seul juste, s'il y a un seul juste, Seigneur, Père, tu ne frapperas pas. Père, s'il y a un seul, Père, s'il y a un homme qui se sanctifie, s'il y a une femme qui a la brèche, s'il y a un groupe d'hommes qui sont dans le secret et qui invoquent ton nom, qui invoquent ton nom, qui invoquent ton nom, toute sincérité de cœur, Père. Seigneur, pardon. Nous avons abandonné notre rôle. On a abandonné le premier amour. Nous sommes repartis dans les publicités, Seigneur. Je suis reparti vers les femmes. Je suis reparti vers les hommes. Je suis retombé dans la masturbation, dans l'homosexualité, l'alcool, la cigarette, Père. Alors que tu nous avais nettoyés, purifiés. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur. Oh Nzambe. Seigneur, pardon. Délivre-nous des liens de la mort. Délivre-nous des liens de la mort, de la servitude, de l'esclavage du péché. Père, nous sommes devenus peureux. On a peur des hommes. On a peur de dire la vérité même à nos voisins. Père, tu as frappé plusieurs personnes, plusieurs pasteurs au milieu de nous, plusieurs chantres au milieu de nous, et nous n'avons pas compris le message. Nous n'avons pas compris que tu interpellais Brazzaville. Nous sommes passés à côté, Père, à côté de ton appel, à côté de la visitation. Nous ne sommes plus sensibles, Père, à ton esprit. Oh, tu es le Dieu de notre alliance. Seigneur, souviens-toi de notre alliance. Souviens-toi de l'alliance que tu as fait, Père, avec les hommes et les femmes ici à Brazzaville, Père, qui te craignaient. Et tu leur as dit que cette nation devait être embrasée, enflammée, et qu'un réveil devait naître, Père, que la puissance de ton nom, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, visite les maisons, les foyers, Père. Qu'un souffle soit dans les nations, dans cette nation, Père. Dans les assemblées, dans les assemblées, dans les assemblées, Père. Que les vraies prophétesses et les vrais prophètes, Seigneur, se lèvent maintenant pour parler de toi. Prophétise en ton nom, Seigneur. Prophétise en ton nom, Seigneur. Parle de ce que tu leur as demandé de dire. Que ces femmes, Seigneur, dans le secret, que tu utilises, Seigneur. Jésus, Jésus. Père, comme dans Ézéchiel 37, comme dans Ézéchiel 37, tous les ossements desséchés, Père. Tous les ossements desséchés, Père. Père, souffle sur Brazza, Père. Souffle un vent de repentance. Souffle un vent de réveil. Souffle un vent de consécration. Oh, souffle, Seigneur.
Souffle, Père, nous t'en supplions. Que les oreilles de Brazza s'ouvrent. Que les yeux de Brazza s'ouvrent, Seigneur. Que la mort disparaisse. Seigneur, que la mort disparaisse. Que l'orgueil et l'hypocrisie soient complètement bannis de nos cœurs et de nos vies. Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, regarde ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant le péché. Regarde ces personnes qui prient dans le secret depuis des années, Père, et qui attendent ce moment, Père, de résurrection et de réveil. Jésus, nous t'en supplions pour l'argent. Père, nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions, Père. Père, nous pleurons, pour cette nation, Seigneur. Nous pleurons pour Brazza, Père, nous pleurons pour Brazza, Seigneur. Pour les sangs qui ont coulé à Brazzaville, Seigneur. Pour les meurtres, Seigneur, Père. Pour les assassinats, pour le sang qui a coulé dans les rues, Seigneur. À cause de la fidélité. Papa, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour les pasteurs qui sont tombés, Seigneur, dans les publicités, dans le vol, dans l'arnaque, qui sont entrés dans la rose croix, dans la franc-maçonnerie. Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, nous avons vendu notre droit d'aînesse. Le droit d'aînesse que tu nous as accordé, Seigneur. Nous l'avons vendu, Seigneur. Nous l'avons perdu à cause d'un plat de lentilles, Seigneur. À cause du matériel. Nous avons vendu, Seigneur, ce droit. À cause du monde, Père. À cause du sexe. À cause du ministère. À cause des services. Nous l'avons perdu. Brazzaville, réveille-toi. Brazzaville, réveille-toi. Sors de ce tombeau. Sors de ce sépulcre. Sors de là. Recommence à bouger. Recommence à bouger. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Sors de la mort. Sors de la mort. Sors du sépulcre. Tu n'es pas appelé à la mort. Tu es appelé à la vie, Brazzaville. Oh Jésus. Oh Jésus. Les chantres qui se sont corrompus. Les chantres qui sont tombés l'un et l'autre. Un homme et une femme, ils sont tombés ensemble dans les attouchements, Père. Et ça amène le péché, la lourdeur, l'impunicité. Et ils ne confessent pas, ils ne confessent pas, ils sont cachés, Seigneur, Père. Oh Père, délivre, Seigneur. Expose les hommes des ténèbres, Seigneur. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Père, relève Brazzaville. Seigneur, relève Brazzaville. Que ces prières montent comme un parfum de bonne odeur pour toi. Comme un parfum pour toi, Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, regarde cette génération. Père, notre Père, t'en supplions pour Brazzaville. Si cela est ta volonté, Père, cela est ta volonté. Mais nous te prions, Seigneur. Nous avons foi en toi. Cette œuvre peut renaître des cendres. Seigneur, on ne savait pas que quelque chose de bon pouvait sortir de Bethléem. Personne ne savait que quelque chose de bon devait sortir de Bethléem. Mais si quelque chose de bon peut sortir de Brazzaville, c'est notre prière. Mes frères et mes sœurs ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on peut acclamer le Seigneur.
S'il y a des personnes qui ne se parlent pas, allez vous saluer les uns les autres, demandez-vous pardon entre vous. Je propose que chacun se lève, qu'il aille voir son frère, sa soeur. Et lui donne une parole d'encouragement pour Braza. Le fortifie, l'encourage. Tout le monde va se lever, aller voir son frère, sa soeur. Allez demander pardon s'il y a besoin. Allez encourager, donner un verset, un encouragement. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Pour Brazzaville, pour Brazzaville, pour Brazzaville, Seigneur. Si vous étiez dans la division, demandez-vous réciproquement pardon et marchez d'un même pas.